monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Pas de lumière. Et ferme la porte, loulou, ça sonne. On se retrouve pour un nouveau vlog. On va chez le médecin. Là. Pour moi, j'ai une otite. Attends, encore regarder s'il a des pubs pour faire le papier mâché. Non, je viens de l'ouvrir, loulou. Donc oui, je file chez le médecin. Avancez à la voiture avec mes colis Vinted là. Et attendez, attends, pousse-toi loulou. Attends, je vais juste mettre les colis devant. Il n'y a pas à être chargé comme ça. Ah oui, mais tu as beaucoup de colis. Je suis très mal coiffée, mais voilà. Bah j'ai beaucoup vendu hier. Merci mon amour. Je suis au bout de ma vie. C'est lourd hein. Merci chaton. On va profiter de sortir pour poser les colis. Ah, j'ai l'oreille bouchée, c'est horrible, horrible. Genre je parle, j'entends mon insupportable voix. Regardez ma beauté, je sais même pas ce que vous voyez. Fais voir comme t'es belle avec ton pull. Pas du tout, elle est pas d'humeur. Allez monte. Elle est pas d'humeur. J'appréhende un peu là. Salle d'attente avec deux enfants, terrible. Maman. Oui. Théa, la colorée sur la boîte. Oh, c'est pas très grave. Théa, pourquoi t'as. Je pense pas que ce soit Théa. Ah, si. Théa, je peux savoir pourquoi tu as colorée sur la boîte. Ouais, je vais chez le médecin parce que bah déjà une otite, je peux rien y faire. Je peux pas soigner ça toute seule, je souffre atrocement. Et j'ai les deux monstres. Donc maman n'a pas le droit d'être malade, maman n'a pas le temps. J'ai fait 3 tests Covid. Enfin antigénique machin, j'ai pas le Covid. Et là du coup j'ai une otite. Facilement identifiable. Voilà, je vous emmène avec vous quand même puisque j'avais dit de vous filmer ce week-end. Mais du coup je ferai juste pas. Je voulais faire une morning routine et une night routine et tout. Attends, là on voit que la couleur elle est pas trop terre. Bref, on m'en voulait pas, mais il n'y aura pas tout ça. On est arrivé devant chez le médecin. J'appréhende beaucoup la salle d'attente, comme je vous le disais. J'ai jamais fait, je crois. Ah si, j'ai déjà fait avec les deux. Mais un des deux était malade, pas moi. C'est pas grave, je vais me la jouer comme beaucoup. J'allais dire mauvaise mère, non. Mais je vais faire la facilité comme beaucoup. Je vais prendre mon téléphone et je vais leur mettre un truc dessus. Je le fais jamais. Jamais. Bah, tout simplement parce que je leur laisse pas mon téléphone. Mais là, j'ai pas la foi de lui. Vous voyez, je peux pas gérer ça en salle d'attente. Je peux pas. C'est trop me demander. Déjà, je vais pas trop pouvoir les sortir aujourd'hui parce que je suis pas bien. Donc. Je vais les mettre devant un Disney. Je vais faire une sieste. Voilà. Je vais les occuper à la maison, activité à la maison. Puis il a ses devoirs, lui, le loulou. Viens là, Théa, on va pas au tennis, chérie. Je suis garée devant le terrain de tennis parce que. Parce que c'est. Voilà. Oh. Je vous jure que je suis pas. Je me suis endormie vers 2-3 heures du mat. Réveillée à 8 heures par Madame Théa. J'ai une. On s'en fout. Ils sont trop beaux, mes bébés. Montrez comme vous êtes beaux. Waouh, il y a trop de soleil. C'est pour ça que j'ai fermé les yeux, je le sais dans les yeux. Théa, fais voir ton pull comme il est trop beau. Waouh, attends, c'est trop lumineux maintenant. Putain, il est trop beau ton pull, t'es trop beau. Oui. Théa, fais voir. Waouh, il est trop beau. Allez. Go. Pas trop beau, faites voir les masques. Waouh, qui sont beaux. Allez go. On joue à ça. Merci McDo. Théa, elle fait des bêtises. Elle joue à ça. Ben non, Théa, elle sait pas jouer au double. Tu lui expliques? Non, reste là avec le téléphone. Alors, on commence avec quelle façon de jouer? La première qu'on a fait. La première, alors vas-y, je fais gaffe. Faut mélanger. J'assure. Mais que dans les petits, peut ça se passe? Non, pas du tout. Mais que dans les grands?
Mais c'est beaucoup trop petit. C'est beaucoup trop petit. Mais maman, pourquoi ça ne fait pas les pièces directement de la bonne taille? Parce que bah, il voulait petit à chaque fois. Tu m'as réveillé parce que j'étais morte. Arrête de te mettre un coup de poing. Mais maman? Maman? 5 secondes, c'est mon record. Je vous montre, c'est trop bien ce truc. Alors, je scanne. D'accord. Ah non, ne me fais pas ça. Ça ouvre la petite porte. Ça rentre. Je ferme. Et voilà, il dit le temps que t'as mis 12 secondes. Faire un autre. Oh my God. Hop. Il va m'ouvrir un petit. J'en veux pas, c'est trop petit. Je referme. Et je demande un moyen, ça devrait le faire. Je kiffe trop. Un jeu d'enfant, le truc. 25 secondes. Hein? T'es si longue? Et plus gros. Il est gigantesque. Il va rentrer dans rien, ce truc-là. Non. Mais pas du tout. C'est beaucoup trop petit. Ton nouveau record, ça y est. Là, ceux de tout au fond, à côté, on est encore plus minuscule. Ouais. Qui peut rentrer dans le truc d'à côté? Bah des fois, ouais, parce qu'ils sont bêtes, parce que les colis, ils doivent quand même faire une certaine taille minimum, donc bon. Ça c'est fait, une bonne chose de faite. J'arrache les poils de mon sac à main. Ça y est, il est en pilou pilou, le pauvre. Ah. Maman, touche les billets. Attends, je suis en train de... J'ai pensé ma ceinture. Du coup, la pharmacie, ça sera après parce que bah, là, c'est fermé. Évidemment. Oui, la pharmacie. Bah, récupérer mes médicaments. Ça nous fera une sortie. On est ravis. Hein, attends, on va rentrer manger. Des hot-dogs à la fin. C'est carrément. Je crève de. Maman. Oui. Touché, bien fraîche. Ah oui, elle a passé la nuit dans la voiture, c'est même glacé. Allez, bon bazou, qu'on rentre. Ça fait du bien, au moins je me suis ouvert le crâne. Alors, je reviens de chez Lidl, j'ai fait quelques petites courses. Il fallait des napolitains pour Théa, absolument, elle déjeune que avec ça, enfin des napolitains de sous-marque, tu connais. Et une pâte brisée, et j'en ai eu pour 20 balles, quand même. Donc, j'ai pris la viande parce qu'elle est en promo à 3,35. Je vais la congeler, parce que là, tout de suite, on n'en a pas besoin. Du saucisson pour demain. Faire un petit apéro avec mes cheveux, avec du saucisson digne de ce nom. J'en perds ma voix. La pâte brisée pour retenter une quiche digne de ce nom. J'ai pris la plus chère, il y en avait une comme ça, pur beurre, et l'autre à moins cher. J'ai pris la plus chère du coup, ça va peut-être pas changer grand chose. Ça j'adore, des petits biscuits apéro pour l'apéro. Donc, les napolitains de madame, les barquettes au chocolat pour le goûter cette semaine. Étienne voulait des petites glaces comme ça, donc j'ai pris ça. Tablette au chocolat, on va peut-être faire un gâteau au chocolat. On va voir pour demain. Sac poubelle, voilà. J'ai pris ça parce que j'ai besoin de réconfort, je suis trop malade. Et des madeleines pour le petit déj, tout ça, ça peut être sympa. Et j'ai une envie actuellement, depuis un moment, de crème chantilly. Donc j'ai pris de la crème chantilly. Moi je la bouffe comme ça dans le pot, il n'y a pas de souci. Voilà pour les courses. Savoir que j'ai fait un menu pour la semaine.
pour savoir ce qu'on allait manger chaque jour, le soir principalement, puisque le midi ils sont à la cantine, pour prévoir mes courses, etc. et pas dépenser plus. Et donc là, je me suis clairement emballée, j'ai dépensé des choses qui n'étaient pas. Bon, ça c'est pas grave, je l'aurai de l'avance. J'ai dit que le congé, je vais le passer. Je le fais laisser. Voilà. Je me suis chiée aussi, par exemple, mardi soir, ça devait être la quiche, mais on l'a pas faite parce que la réunion d'Ethan à l'école, elle a duré jusque trop tard. Donc j'ai décalé la quiche à mercredi soir. Je me trompe, mais en fait, qu'est-ce que je raconte? C'était bon. Non, c'est parce que mardi, j'ai fait les pizzas qui étaient prévues dimanche. On a acheté des pizzas. Gnocchi, ce soir, c'est censé être ça. C'est bon, logiquement, on est bon. Hein, il y a juste la pomme frite. J'avais pas de pomme frite, donc on n'a pas fait ça. On a fait autre chose hier soir. Apéritif et... ont mangé des restants de riz, bref, vous en avez rien à faire, on est d'accord. Mais voilà, sachez que ce mois-ci, je teste le menu. Je le faisais avec Plop, il y a très longtemps, j'étais enceinte de Théa. Et c'était plutôt pas mal. Donc voilà, j'essaye de faire ça parce que moi qui suis pas une grande cuisinière ni rien, que je sache à l'avance ce que je vais devoir faire et tout, c'est plutôt pas mal. Hop, tout ça, ça va au frigo. Voilà, et donc là, il est très tard. J'ai dormi un petit peu cet après-midi pendant qu'ils ont regardé Turbo. Parce que j'étais au bout de ma vie, je suis toujours au bout de ma vie. D'ailleurs, mon oreille s'est débouchée pour l'instant, je ne m'entends plus parler, donc c'est déjà ça. Il est 19h12, donc là on a été faire les courses, il était 18h45. Et on va faire quelques devoirs pour Ethan, parce que du coup on n'a pas fait cet après-midi, que j'étais pas en grande forme, mais il va faire des devoirs. Voilà, le programme. Et Théa va faire du dessin. Ah, j'ai plus de batterie, je vais vous mettre à charger. Vous voyez mon petit bordel là-bas. Cache-misère. Hop. La chantilly, on va la mettre, j'en sais rien en fait, logiquement dans la porte, mais t'as vu, il n'y a plus de place. Je vais la mettre là. J'aime trop quand le frigo il est bien rempli, c'est assez rare. Bah, d'ailleurs, vous savez, avant moi je faisais les courses tous les deux jours. J'achetais pour voir ce qu'on allait manger ce soir et le lendemain, quoi, et je retournais. Et là, du coup, bah, comme j'ai fait à la semaine, j'avais fait des courses pour la semaine, donc mon frigo il est rempli, ça me fait bizarre. Mais ça dure pas longtemps, je trouve. Hein. Au niveau des yaourts et tout, bim, tu manges deux repas, le frigo il est revide. Je trouve ça déprimant au vu du prix des courses. Bref. Ouais, voilà. Ah, j'ai pas tourné de linge aussi à mettre pour les sécher. Tu peux sortir de ma chambre. Il m'est puni dans ma chambre parce qu'il était ingérable là de Ethan. Non, t'es assez à toi le jus de fruit là par terre. Oui, oui, je pense aussi. Tu le ramasses et tu vas le mettre à la poubelle. Je pense. Je vais vous mettre à charger. Hein, je vous ai pas montré, j'ai acheté une nouvelle imprimante. Beaucoup plus petite que l'autre parce que l'autre elle fonctionnait plus trop. J'ai pris celle-ci parce qu'elle fonctionne avec le téléphone, sauf que j'ai pas réussi. On adore, mais voilà, du coup c'est top. On peut la charger, c'est compliqué là pour moi. Bon voilà, le week-end j'aime bien déplier la rallonge du canapé, on est en mode posé tous ensemble. En plus demain il y a Clément qui vient, donc on se pose tous à Vachy. Mise a fait son petit apéro devant un dessin de mie qu'elle aime bien. Et nous, nous sommes en plein devoir. Bon, il a quand même un peu... Il a un peu d'apéro et on fait la dictée. Il est ravi. T'es ravi? Petite demoiselle qui profite d'un bon bain. Ah oui, madame? Oui. Et quelle couleur ton bain? Rouge. Plus rose, là, du coup. On voit pas, il y a trop de mousse.